Cette exclusion, je ne peux pas savoir quels seront les effets de l'exclusion, être exclu d'un parti après 25 ans, alors que l'on est maire, alors que l'on est socialiste, je crois, je laisse juger, ça n'est pas à moi de juger, cela me semble un petit peu entaché de, je ne dirais pas, je ne veux rien dire, je préfère laisser juger les autres. Ce n'est pas une aventure personnelle, c'est une aventure pour Marseille. En tant que maire, je continue à défendre Marseille. J'ai été navré au dernier conseil municipal de voir que pour m'empêcher de faire des réalisations, il s'est trouvé des politiciens unis pour qu'il n'y ait pas des travaux dans une douzaine de cités HLM de Marseille de l'office municipal, alors que tout était prêt, que la concertation avait été faite et que ces travaux sont absolument indispensables. Quand on parle de Marseille, actuellement, c'est pour parler des combats politiciens. Ce qui m'intéresse, c'est le parti de Marseille. Ce qui m'intéresse, c'est l'avenir de Marseille. Les années que nous avons devant nous sont très importantes. Où nous saurons nous placer dans l'orbite européenne, où nous ne le serons pas. Donc, pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos enfants, c'est cela qui compte. Et on ne peut pas le faire s'il n'y a pas un certain rassemblement, s'il n'y a pas une certaine union, s'il n'y a pas entre tous ceux qui pensent pour l'avenir, s'il n'y a pas un travail commun qui se fasse.